Bernard Pivot dit aujourd'hui, c'est une époque, les années 70 et 80, où la littérature passait avant la morale. Ouais, mais ça dit quelque chose de la France aussi. Parce que déjà, chez nous, c'était... Je veux dire, c'est, d'ailleurs, une des premières choses que j'ai dites, je crois, c'est j'ai l'impression d'être sur une autre planète, moi. J'arrive du Canada, du Québec. Et ce que j'entends, j'étais décalée. J'étais totalement décalée. Mais enfin, j'étais pas étonnée puisque j'avais lu et que je savais que ça existait et que je savais qu'on défendait pareilles idées. Je savais qu'il y avait une pétition signée par de Beauvoir, par tous vos monstres sacrés du XXe siècle en philosophie. Je sais que même Jacques Lang avait signé cette pétition dans les années 77, je crois, pour en quelque sorte décriminaliser les rapports entre les enfants et les adultes, sous prétexte qu'il fallait jouir sans contrainte.